Faire vivre et préserver le patrimoine musical de la Méditerranée, c'est l'objectif que se sont fixés les ensembles Elhan et Vocalia de Rabat. C'était leur première participation au printemps musical des Alizés des Saouira, qui célèbre cette année sa 20e édition. L'ensemble Elhan, ça a été créé très récemment. Et on a décidé de faire un projet avec l'ensemble Vocalia. Où le projet a été créé déjà en 2016, mais avec des recherches très 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 profondes pour trouver les chansons sacrées de la Méditerranée, le bassin méditerranéen. Donc on a fait une recherche. Après on a commencé à trier sur les recherches qu'on a fait. Après on a fait un arrangement. Vocalia, il y a un groupe sorti qui a la plupart de ses qui est le cœur philharmonique du Maroc. Vocalia est un ensemble de musique vocale dont de nombreux membres font partie du cœur philharmonique du Maroc. Ce sont des professeurs de musique et grâce à cette opportunité, nous avons voulu montrer une autre facette de notre savoir-faire. Le groupe est formé de 8 artistes et pour ce concert, nous avons choisi les chants sacrés de la Méditerranée. Où le programme les qu'demna aujourd'hui هو les chants sacrés de la Méditerranée. À Dar Souiri, un des 4 espaces qui accueillent le festival, c'était au tour des jeunes artistes de se produire. Et pour certains, c'était une première. Ils font partie du programme Mazaya, mis en place par la Fondation Ténor pour la Culture. Les concerts aux jeunes talents est un rendez-vous incontournable du printemps musical des Alizés. Avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve notre public après 5 ans d'interruption dû au Covid. Et c'est vrai que c'est un festival qui a toute sa place à Essaouira. C'est un festival que très, très peu de personnes y croyaient au début, il y a 20 ans. C'est un festival que, je rappelle, il a été initié par le conseil de Sa Majesté, M. André Azoulay, par l'association Essaouira Mogador. Et au début, très peu de personnes y croyaient. Maintenant, que 20 ans après, on voit le résultat, c'est que ça reste jusqu'à présent le seul festival de musique classique au Maroc. Et c'est un festival qui a maintenant toute sa place dans la scène internationale. Le public fidèle et très nombreux était au rendez-vous, transporté par les mélodies des musiciens. Les spectateurs sont repartis conquis. Et Essaouira continue de célébrer 20 ans plus tard la musique classique, l'excellence et la jeunesse.